Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Là, on a pris à regarder comment on est capable d'utiliser technologie, information et communication pour nous faire l'argent. C'est ça, on va le matin avec Emmanuel Duverso, qui a dirigé l'Académie numérique, qui va aider nous. Nous-mêmes, qui va suivre comment nous sommes capables, à travers TICO, faire l'argent, faire business nous, et sortir et peindre nous le Duverso Emmanuel, c'est un plaisir vous nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serge, et nous saluons tous les téléspectateurs et TNH. C'est un grand plaisir pour nous là matin. En raison pour nous capables d'informer la population hein, sur l'opportunité qui existait pour nous capables de gagner un plan B, si nous avons dit comme ça, mais c'est les techniques pour apprendre à faire de l'argent sur Internet. Mm-hmm. Il va me déranger si vous me présentez ou qui est-ce qui est Emmanuel Duverso? Bien, rapidement, Emmanuel Duverso, c'est entrepreneur numérique et technologue. Nous avons eu la chance de faire une étude dans technologie de l'information en République dominicaine et une bonne partie à Athabasca University Canada. Et ça permet que nous gagnions suffisamment de bagages pour nous capables d'embrasser n'importe carrière qui est liée avec la technologie. Mm-hmm. C'est ça que fait maintenant nous capables à parler de ça. Et non seulement nous vivons de cette technologie-là, qui c'est le numérique, que nous avons une chance pour nous développer, et nous commencer à aider un peu le monde à comprendre les opportunités qui existaient dans la matière. Vous avez dit tout à l'heure diriger une structure de formation, Académie numérique, c'est ça? Oui, nous avons une Académie numérique de la nouvelle technologie. C'est une structure qui encadre et des jeunes, ou pourquoi pas n'importe professionnel, et qui t'a voulu qu'on ait et comment ils sont capables d'utiliser Internet et à des fins lucratives. C'est-à-dire, nous entrer et profondément dans l'économie numérique. Que nous parlons capable un peu ça qui est entrepreneuriat numérique. Nous avons l'autre activité, tout, mais nous focus et à 90% sur l'entrepreneuriat numérique. Pourquoi ça vous avez décidé à lancer nos domaines comme ça? Bon, à part de phase économique, là, et même moi, je viens de rendre compte que c'est une opportunité pour nous créer l'indépendance financière. Et nous relayer un plan B, mais tout, il y a un aspect qui est très, très, très technique là-dedans. Et nous-mêmes, relayer importation économique. Parce que les noirs gardés en Haïti, difficulté qui gagne pour les gens aujourd'hui en emploi. Et, tandis que gagner cob qu'a fait sur internet que nous t'a capable de participer si toutefois que nous gagnons une petite technicité là et ça nous le nous dit importation économique là c'est parce que cob qu'a fait sur internet là pas dépend de pays ou il pas dépend de gouvernement il pas dépend des armées ou qu'on gagne en Haïti mais il dépend de toute une globalité. Vous voyez, nous pas loin, puis devant, certainement, ça nous relève le marché d'échange, Forex, le e-commerce et la crypto-monnaie aussi. C'est des choses que l'heure où qu'on est, yo, ou bien technicité pour faire, yo, bon, aussi, ou vient devenir un citoyen international. Parce que quel que soit côté, depuis qu'on a accès à l'Internet et information, nous dit que au cap travail pour être. En définitivement, nous avons une entreprise numérique, Emmanuel Duverso. Bien. L'entrepreneuriat numérique, c'est simple, c'est toute activité créatrice de richesse qui est basée sur Internet et qui est utilisée appareil électronique et qui prend Internet certainement et qui permet que au travail comme outil. C'est, on nous dit, tout ce qu'a fait sur Internet là, qui rapporte au l'argent, nous relève, fait partie de l'entrepreneuriat numérique. Gagner plus de 20 possibilités, 20 aspects que vous êtes capable d'utiliser pour faire l'argent sur Internet. Mais nous gagnons quelques-unes qui nous focus sur l'avantage parce qu'il y a plus accès, il y a plus volatilité, il y a plus rentable, il y a plus, plus durabilité, tout ça, qui fait que nous enseignons une série de, c'est-à-dire quelques-unes de ces opportunités-là. Comment vous pouvez devenir entrepreneur numérique? Bien. Devenir un entrepreneur numérique, ce n'est pas du tout compliqué. Il y a des gens qui pensent que c'est un paquet de bagages qui est lié. Et dès que ou capable de gagner ça nous relève accès à l'information parce qu'il y a des monde qui seulement prend internet
yo peut-être tendi Jean-Noël attendre là sous TNH, yo tendi une information et puis yo dit qu'est-ce que ça intéressant et puis yo commencé chercher. Et puis si y a cherché activement, ça ca venir rendre que yo joindre des formations même gratuites sur l'internet qui pas gagnent quand c'est une pratique que n'a bail là, mais c'est apprendre une technicité pour ou capable faire l'argent sur internet. Dès que vous maîtrisez une partie, par exemple, on nous dit le e-commerce, par exemple, le monde qui a fait e-commerce, que nous n'avons pas de chance pour nous détailler, c'est un entrepreneur numérique. Peut-être qu'il ne va pas même rendre compte, mais toutefois que ce n'est pas physiquement que vous allez vendre un livre ou vendre un article pour vous remettre l'argent dans mes cash, c'est un entrepreneur numérique parce que vous passez via l'internet, par l'internet, pour être capable de faire comme ça. C'est-à-dire, devenir entrepreneur numérique, c'est se former et sur le domaine et tout simplement, vous êtes un entrepreneur numérique. Quels outils que vous avez besoin d'utiliser pour vous permettre que l'objectif soit atteint? Pratiquement, c'est premièrement, information, technicité que vous gagnez. Et deuxièmement, tout simplement besoin d'un téléphone Android que tout le monde gagne. Pratiquement, et un ordinateur et une tablette. C'est pas trop difficile du tout. Tout le monde dans toute la rue, même monde qui pas même comprendre comment pour utiliser l'acheter, il apprend à utiliser après. Il n'est pas demandé en pile bagage. C'est internet et puis un appareil électronique. Internet, appareil électronique et puis avec soi capable de faire l'argent, c'est ça? C'est et puis formation. On a comment faire l'argent, on a parce que en plus mon téléphone dans mes yeux, en plus mon je dis sur WhatsApp, je n'ai pas compte Facebook, je n'ai pas email, mais faire l'argent avec tout ça, c'est qui genre? Bien. Alors, ça qui passe, Serge, il y a une pile de spéculation dans le domaine. Il y a des gens qui seulement disent, OK, on fait comme sur Internet, ils viennent avec un plan de marketing, ils mettent les gens dans un système, côté que c'est vrai que le cap a une formation, mais c'est comme dans la poche pour investir, bah, il y a un travail pour lui, qui parfois qui est bon. Il y aurait les faits comme sur Internet, mais il y a une différence entre le network marketing, c'est MLM, multi-level marketing, et être acteur du marché. Nous gagnons trois types d'activités que nous embrassons. Premièrement, c'est le marché Forex. Il y a un monde qui apprend le marché Forex, c'est pratiquement un monde qui capable de faire quoi activement sur Internet. Il faut expliquer pour nous ça, le marché Forex. Alors, le marché Forex, c'est le marché d'échange, Foreign Exchange Market. C'est le plus gros marché qui existait dans le monde économique là, après le marché de taux. Alors, il y a une petite subdivision pratiquement. Il y a le marché des devises qui c'est Forex et le marché des titres. En plus, le monde qui a connaissance dans la bourse connaît, il a toujours parlé de gros termes, actions, obligations. Ce n'est pas vraiment compliqué. C'est le marché de titres qui gagne là-dedans les actions et les obligations. Par exemple, une entreprise privée qui a gagné, ou décidé d'augmenter le capital, ou du moins, ou décidé de mettre en succursale, au lieu qu'on le fait près la banque. Et puis, ou chercher des partenaires ou vendre des actions. Et puis, il y a une propriétaire. Exactement. Il y a une propriétaire entreprise, ça. D'une manière ou d'une autre, il y a pas gagner accès à des dividendes à la fin de l'année ou chaque trimestre ou chaque 6 mois, dépendamment de politique interne compagnie, ça. Maintenant, marché ça est grand, il y a des transactions, il y a des actions de trading qui fait sur lui, c'est-à-dire commerce. Par exemple, si nous prenons Amazon, actuellement là, on a monté et sur des plateformes qui nous les brokers ou des plateformes qui c'est dans la bourse, qui sont capables d'acheter actions Amazon parce qu'Amazon toujours avait une action. Alors, avant, c'était manuellement qui était qu'on fait, on a parlé de la bourse de New York, la bourse de Paris, c'était T4 qui était qu'on appelait viande, les moins voulait ça, moins voulait ça, telle action vend tant prix. Est-ce qu'il me voulait acheter? S'il y a plus de demande pour lui, il monte pour lui. S'il y a moins de demande, il descend. C'est sous l'effet de la loi et de l'offre et de la demande que ça fonctionne. Et obligation, c'est la dette de la compagnie. Et imaginons que compagnie, au lieu que vous prenez une action, vous
de préférence et prêter l'argent. Laissez-le venir obligataire au lieu que actionnaire. Qui donc compagnie ça, elle fait déficit. S'il fait déficit, c'est pas problème pour la payer en intérêt normalement. Mais si c'est action qu'on achète, qui prend en compagnie, il y a que lui fait déficit, que lui fait gain, c'est nous tous qui consentis parce que nous sommes propriétaires en même temps. On n'a pas de comment capable de faire l'argent concrètement sur internet là ou devine avec marché forex. Ouais, alors c'est pour une frontière différence entre marché de devises et marché des actions. Mmh. Alors marché des titres. Alors marché forex ça lui-même les plus large, les plus grand longtemps que marché des titres qui gagne là-dedans une technicité qui est obligé à prendre pour faire lui et lui gagne transaction qui fait sur lui aux environs de 5 trillions de dollars par jour. C'est-à-dire au monde qui a fait échange de devises sur internet, c'est le marché d'échange, acheter vendre. Par exemple, si Japon gagne une série de nouvelles marques de voitures qu'il a vendu aux États-Unis, États-Unis obligé changer dollar US en yen japonais qui pourrait permettre que yen japonais a lui gagne tendance pour lui prendre valeur sur le dollar américain. Et ça viendra automatiquement que yon trader, ça n'aurait les acteurs forexiers, yon les traders, mon cas fait commerce au forex, et yon capable d'anticiper que le dollar, vu à cette information-là, le dollar, il pourrait l'apprécier. Maintenant, s'il apprécie, vous, vous prenez position en forex, vous te dit, bon, le dollar va être apprécié à l'aide de telle nouvelle, maintenant, il apprécie au fond plus-value. Vous cap fait gain 10%, 20%, 30%, 500% tout, parce que yon a fait un aspect effet de levier que t'es broker, c'est-à-dire banque qui permet qu'on utilise la plateforme pour monter sur le marché, il est prêt au corps même pour jouer sur le marché, toutefois qu'on a gagné. Voyez, donc le marché forex est très large et c'est un marché qui travaille 24 sur 24, 5 jours sur 7 pour être capable à anticiper la montée ou la descente d'une perte d'une monnaie par rapport à un lot, c'est-à-dire les paires de monnaie, c'est en paire qui fonctionne, et bien qu'il y a un paquet d'autres bagages comme ça. Mais vous savez comment utiliser marché ça, mon cap de manière concrète, de manière pratique sur internet là? Bien. Après que vous gagnez information suffisante, technicité pour aller sur le marché, vous passez par un broker. Broker là, c'est banque. Ou d'une plateforme qui permet que vous passez par marché, ou pas qu'à entrer sur le compte. Alors, c'est maintenant, ça fait près de 20 ans que nous avons accès avec lui, mais le marché forex, 20 ans de cela, c'était seulement les grandes banques. Même une banque en Haïti n'a pas accès parce qu'on aura besoin de 10 millions de dollars pour en prendre part. Vous voyez? Maintenant, dès que nous gagnons technicité, nous passons par un broker, et puis broker ça, lui permet que nous déposer l'argent sur lui. Et lui permet que nous fassions transaction. C'est peut-être en nous disant un dollar, mais on est capable de faire une transaction euro, yen japonaise. Et c'est lui-même qui permet que la transaction soit faite. Il y a une petite commission que le prend, qui nous le spread. Cette commission, ça, c'est lui-même qui paye le broker, et c'est lui-même qui fait toute la transaction pour. Maintenant, le corps sous broker, ça, lui sécurisé parce que c'est un banque lié. C'est le corps pas perdu dans le même broker. C'est-à-dire, il y a un broker qui se descampe, tout. Il faut bien s'informer pour connaître qui broker qu'on a utilisé. Maintenant, leur utiliser broker ça ou proposition, gain qu'on fait, ou capable de faire virement bancaire sur compte ou en Haïti avec lui. Soit par carte de crédit, soit par un compte normal, pour gagner accès avec une banque, ou faire virement normalement. Vous voyez, n'importe banque en Haïti. Bien. Alors, c'est pratiquement. On nous dit comme ça que on fait comme dans forex c'est on apprend ni OK c'est pas du jour au lendemain on est levé on apprend et avantage que forex gagne tout le bord de beaucoup al bord compte de démonstration pour que on cap a fait activité il y a c'est même marché il y a sauf que l'argent que on peut utiliser al pareil c'est-à-dire on pas qu'à retirer tout simplement mais on gagne accès pour faire pratique jusqu'à ce que on maîtrise et là ça on mette vrai l'argent qu'on y a de manière à ce que on capable entrer pour faire commerce là. Maintenant, qui qualité business qui fait tout ce marché ça? Nous gagnons le e-commerce qui est encore plus facile. Il y a un peu de monde qui achète aux États-Unis, qui nous dit acheter dans Amazon, acheter sur eBay, sur Alibaba, AliExpress, etc. Que vous faites importer, vous vendez en Haïti. On a réglé ça en semi e-commerce parce que vous avez un rapport physique avec lui. Mais aussi, il y a des gens qui gagnent une propre boutique, pas sur Internet. Parce que vous avez une boutique sur Amazon, vous n'êtes pas obligé d'aller voyager.
Si nous prenons les États-Unis, par exemple, qui est plus facile pour nous tourner à Haïti, nous avons une propre boutique là, parce que Amazon, en réalité, c'est un plus gros marché au monde, mais qui n'a pas un grand produit peut-être. C'est nous-mêmes qui gagnons un produit, nous mettons sous l'île, nous touchons une commission parce que nous vendons, tout le monde fait confiance. En Haïti, un peu le monde pas fait sa confiance, mais aux États-Unis, au Canada, tout le monde fait. Et Amazon, eBay, confiance, plus qu'on achète sur Internet. Maintenant, au cas de propre boutique pour sur Internet, moun nan li intéressé avec produit, ou fait publicité pour lui, li clique sur lui, li acheter, et puis Amazon touche commission par là, ou même ouvrir produit par la balle. Produit à bay moun nan. Mais comme ça, tout, nous-mêmes qui, en Haïti, par exemple, qui peut-être pas un grand moyen, pour nous, qui propre boutique pas nous, parce que ça coûte. Moi, j'ai un ami qui fait lui aux États-Unis, qui fait boutique pour moi. Nous pas dit c'est ça, mais c'est seulement ça. Mais il fait lui à 20 000 $ US. Mais le ça, il y a un monde qui a une chance de faire tout. Automatiquement, moun sa gen des revenus intéressants que la recevoir. Parce que c'est une activité réelle, c'est moun capable de vendre vraiment. Ok, le ça, l'on investit avec lui, ça permet que yo gagne de centres juste en Indonésie et pour yo permettre que yo entraîne moun yo pour compte qui produit pour yo mettre sur marché là dans qui moment et comment pour yo faire marketing pour lui. Et moun sa touche sur pourcentage qui rend que yo pratiquement gagner plus envie pour yo travailler bien parce que tant que yo vend plus yo touche plus quoi. Mais nous même tout qui pas gain gros moyen ça yo gagne ça que le dropshipping. Dropshipping c'est une activité qui est très simple, c'est que ou monter sur Amazon, sur eBay, sur Alibaba, n'importe produit qu'a vendre ou est intéressant, ou gain accès avec un blog que nous former mon yo dans l'Académie numérique de la nouvelle technologie, montrer comment pour faire propre blog par yo, comment pour faire propre boutique par yo. Et lorsque vous avez une boutique, vous êtes capable de faire dropshipping. Pour un produit que l'autre monde a vendu. Par exemple, en décembre, là, vêtements pour vendre en pile. Vous avez une boutique sur page, sur blog. Puis, vous dites, bon, je vais vendre vêtements. Vous cherchez qui vêtements qui vendent plus dans le moment ça, et combien de monde qui est intéressé avec lui. Et puis, vous traversez sur blog pour là. Et puis, nous avons une technicité pour vous connaître comment vous faites publicité pour vous, sur Facebook, sur YouTube, sur Google, etc. Et dès que yon moun li clique sur page wa li achete produit, c'est une chose qui se fait automatiquement. Mais si produit a li vend 100 dollars sur Amazon ou prend le mettre sur page pour là ou a vend 120 dollars 125 130 dollars, maintenant le client li clique sur li, li paye 130 dollars et ou prend 100 dollars ou acheter dans vraie boutique là pour lui. Mais c'est automatiquement, c'est pas au cas le vrai. Mais tout ça pour faire, business ça, pour faire business ça sur internet là. Est-ce que vous avez des prérequis, vous avez demandé en informatique, bah qu'on est pour capable arriver manipuler les outils ça. Certainement. Et pour Forex par exemple, le minimum et prérequis au niveau intellectuel c'est retour accompli. Mais nous toujours préférons que mon le fini parce que nous pas le deal avec ça nous le graphe en pile fois mon yo pas de faire c'est pas de faire analyse combinatoire pas de faire analyse et ou mal pour le web de courbe sur graphio ou après les étranges. Mais si mon a été familiarisé les plus facile, mais pour e-commerce les paiements de tout ça et on nous dit mon affaire retour tout simplement les capable faire e-commerce. Et même moins dépendamment de évolution mon, parce que mon qui fait quatrième qui plus intelligent comme mon qui fini qui fait philo. Maintenant, ça va dépendre de monde. Mais pour Forex, là, oui, il faut que les faire retour minimum. Maintenant, comment l'entreprise du Mexique soit capable de porter un support à l'économie pays, un pays de Haïti, par exemple? Très, très bonne approche, Serge. Normalement, moi, j'ai évoqué un aspect à l'heure, on a parlé d'importation économique. Et ma problème que je vis en République dominicaine pendant 8 ans, ma problème de comment l'économie a évolué, c'est plus avec l'activité du tourisme. Autant de fois que quoi va rentrer dans le pays, même lorsque les patrons dans le monde directement utile, activité faire l'argent sur internet que nous l'entrepreneur numérique là, le web entrepreneur, c'est une activité qui permet que on fait l'argent dans le monde international là et on vient dépenser là en Haïti. D'où le yon banque t'a informé de activité ça, yon l'état supposé encourager davantage, parce que l'on vient à Kobla, c'est pas un bas matelas, on va le mettre.
L'offre fait comme sur Forex, ou fait comme dans e-commerce, et ou fait comme dans crypto-monnaie, que nous ne pouvons pas parler de lui tout. Comme ça, si un investisseur peut investir dans Haïti, soit on fait construction, tout matériau de construction pour le vendre, et banque, il faut passer par la banque pour déposer l'argent, et leur déposer, c'est sûr qu'il a utilisé et pour faire du prêt. Qui donc, l'hypothé, et un paquet de bonnes choses pour l'économie haïtienne lorsque nous gagnons du entrepreneur numérique qui travaille. Parce que, j'en ai dit là, Serge, c'est que vous faites importer de l'argent dans le pays. Ce n'est pas exporter ou exporter. Parce que quoi faire, ce n'est pas Haïti ou produit. Ou produit dans le monde international. Mm-hmm. C'est ça. Bon, on parle de crypto-monnaie avant d'avancer. Et bah, on te précise, je souligne rapidement. Bien, la crypto-monnaie, c'est monnaie cryptée, monnaie virtuelle. Et c'est une monnaie qui est numérique, ça nous relève un actif numérique. Mm-hmm. Il n'est pas différent de dollars américains ou de dollars US, pardon, de euros. Mais il gagne un aspect volatile qui est capable de tout prendre valeur suivant l'effet de la loi de l'offre et de la demande. Et qui permet que plus de monde adhère avec lui. Parce que ça qui arrive ou posséder une crypto-monnaie, je dis à la, après 3 mois, il vaut 300%, 500%, 1000%. Mm-hmm. C'est ça qui est passé avec la première crypto-monnaie qui existait en 2009, avec un monsieur qui est Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin. Tout le monde qui a acheté Bitcoin en 2009, avec 1 dollar, il a acheté près de 1000 Bitcoin. Mm-hmm. Or, en 2013, il est passé à 1000 dollars US. C'est-à-dire, le monde qui a investi 100 dollars américains en Bitcoin, il est un millionnaire. Maintenant, nous ne pouvons pas promouvoir dire que nous avons un crypto-monnaie millionnaire. Parce que ça qui est passé en 2009, là, nous n'avons pas dit qu'elle pourrait passer en 2020, nous n'avons pas dit qu'elle pourrait passer en 2022, mais on ne sait jamais. Et il y a un peu d'autres petites crypto-monnaies qui n'ont pas pris tout, que nous sommes capables de procéder et de quitter là pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans qui prend valeur tout. Et il y a un aspect de trading active, même avec Forex dans le tout, qui est un peu moins. Mais les gens qui gagnent connaissance qui formé pour ça, yo kon achete un crypto-monnaie jodi a la, yo vendre demain. S'il prend yon pourcentage, s'il augmente de 10% par exemple, augmente de 50%, moun nan capable di bon sorti avec plus value ça. Ki donc ni activité crypto-monnaie a li intéressante au niveau économique parce que li gen tendance pour prendre valeur même j'ont acheté un terrain. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, nan vin en construction, les patates construites en construction, te sa li augmente de valeur. Et ou acheter l'or al prend valeur. Tout c'est comme ça que la crypto-monnaie a fonctionné. Maintenant seulement, li mande pour apprendre. Il y a un peu de monde qui seulement sur Internet là, il apprend. Voir si que nous avons une chance pour nous venir dans l'académie numérique et cap permettre que nous gagnons technicité à directement pour nous capables de faire l'argent avec crypto-monnaie, avec Forex, avec e-commerce. Un monde qui a fait entreprise numérique, vous considérez comme un monde qui a un métier dans le certainement, c'est un métier à part entière. Il y a un peu de monde qui vit seulement d'Internet. Ils vivent la vie, gagner la vie, faire l'argent quoi ils vivent tranquillement, simplement. C'est-à-dire. Avec un téléphone et puis. Ils ont un téléphone, un ordinateur. Dès que vous finissez une connaissance, là, ou pas l'heure pour travailler. Et si aujourd'hui a décidé pas le travail pas gagne mon cadre fort pour lever le travail récemment m'a gagné un monsieur c'est lui même qui responsable pour faire formation forex ça monsieur gagne une maîtrise en finance il étudie ça au Canada États-Unis etc monsieur d'accord ben participation pour aider les jeunes yo pour capable avoir plus technicité monsieur qu'on relait la 10h du matin c'est dormir l'abdomi parce qu'il t'a fait trading forex au soir. Et ça qui arrive et tout, il n'a pas décidé de faire rien. Qui donc, c'est une activité normalement. Parce que pour qui ça, on a un bon métier, c'est pour faire l'argent. Maintenant, si ça a produit l'argent avec moins de stress, et puis, il n'y a pas de raison, maintenant, pour pas vivre de lui. Tout simplement. Vous voyez, c'est un métier à part entière. Maintenant, avec web là, un peu de monde capable de sortir tête, de arriver à gagner la vie, j'en précise là, Emmanuel Duverso. C'est l'objectif, c'est permettre que chaque Haïtien utiliser le web pour être capable de gagner un plan B. Imaginez, Serge, combien jeunes intellectuels, combien professeurs d'école primaire, technique et université qui quittent le pays parce que le salaire qui a touché à pas répondre à besoin. Yo, ça fait un. Deuxièmement, gagner tout qui peut-être est une menace qui permet que vous déplacer, vous venez plus charge et gagner tout qui perd du job, qui est obligé d'aller au Chili, aller au Brésil, aller dans l'autre pays. Vraiment, vous avez besoin de travail. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bien vrai. Vous êtes bien soutenu dans le pays. Mais
Objectif là, c'est permettre que Mounsa yo informé de ça qui existait, qui est indépendant du gouvernement, qui est indépendant d'adie de effort pays, qui est capable de faire comme dans l'autre pays parce que c'est web entrepreneur. Tout simplement ça. C'est-à-dire, oui, nous capables d'offrir opportunité ça avec jeunes, c'est-à-dire nous informer, c'est eux-mêmes qui pourraient prendre décision, nous informer, et puis si vous voulez venir prendre formation pour ça, ou prendre formation, et justement après ça, on va dégager. Maintenant, est-ce que vous avez demandé un investissement comme gros l'argent, forte somme, pour commencer par exemple une entreprise sur Internet là? Ça dépend de dans quel niveau que vous voulez commencer, et nous toujours encourager, nous commencer avec le peu que vous gagnez et pas aller trop fort au commencement. Et si nous prenons le e-commerce par exemple, le dropshipping, ça demande, c'est pour capable payer seulement un hébergement et sous pour héberger boutique ou à, pour payer un 20 à 30 dollars US par mois pour héberger les côtés qui sont gratuit au commencement pour voir que le fonctionner après ça leur fait quoi pour capable payer. Et puis qui dépense ou fait seulement, c'est dépense pour faire publicité sur Facebook. Or Facebook pas touché quoi bois tout autant publicité là pas passé. C'est-à-dire il y a moins de risques à nous dire au niveau de déficit que vous êtes capable de faire parce que vous n'avez pas besoin en pile l'argent pour faire e-commerce dans le dropshipping. Soit faire gros boutique, pas ok, ça sont l'autre bagaille. Mais le dropshipping pas mal d'un pile. Également Forex. Et Forex, longtemps vous avez besoin en pile l'argent. Mais dès qu'on fait une technicité, nous pas encourager mon du tout à commencer avec 10 dollars, mais il y a des brokers qui permettent à 10 dollars qu'à commencer. Mais les gagnants risquent les la donne. Si vous gagnez très très peu d'argent, vous pouvez gagner 300 dollars ce qu'on met sur un broker, ou gagnez tendance 10 dollars le nous dit dans le fait le risk management avec yo non dans l'école là, nous parlons c'est un au maximum 5% qu'on a investi dans le capital. Mais si vous gagnez 10 dollars, 1%, ou presque envie de mettre tout 10 dollars, parce que vous ne représentez rien. Mais si vous gagnez 500 dollars, 1% veut dire quelque chose. Si vous gagnez 300 dollars, 2% veut dire quelque chose là-dedans. Si vous perdez 2% dans 300 dollars, ce n'est pas trop grave. Mais si c'est 10% commencé perdu dans 10 dollars, où vous perdez l'argent là. Vous voyez qui donc, oui, avec Forex, nous recommandons aux monde qui commence à apprendre, les cap commencer avec le minimum 100 dollars américains pour commencer à faire comme. Mais avantage que Forex là-bas, il y a jusqu'à 10 000 dollars pour faire pratique. C'est-à-dire, pour pratiquer, leur senti bon, on met 100 dollars pour commencer. Mais qui plus gros risque qui gagne, parce que quand même, pas rien qui gagne avantage, pas gagne inconvénient. Faire business sur Internet là, qui risque pour ça gagner? Mon cher Serge, si on parle de business, il n'y a pas de risque là-dedans, pas dans des messieurs. Pourquoi vous vous occupez? Pas de rien qui gagne risque. Nous ne venons pas là pour nous dire, venir ouvrir tout corps, entrer, pas de risque. Premièrement, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on d'accord apprenne. Et il faut qu'on gagne, ça nous les discipline. Et en pile, le monde qui perd dans Forex, c'est parce que yo pas bay tête, yo temps pour apprendre. Yo ont marché à belle, yo couru mettre l'argent sur lui. Parce que c'est un paquet de monde qui sont marché à. C'est technicité pour gagner pour que ce n'est pas sorti perdant. Maintenant, si ou on juste entrer sur le marché à, sans connaissance, ou elle belle, ou fait un gain, ça arrive un jour, mettez 100 dollars. Ou faire 200 dollars dans le même jour. Même bon garantie, si vous avez une connaissance, vous pouvez perdre demain si Dieu veut. Et donc, ça, c'est le risque là. C'est que il faut bien apprendre et il faut aller avec un peu de discipline. Si c'est 1% de capital que vous faites trading, là, c'est 1% vous faites au fini pour journée. Si c'est 5% qui arrive, vous faites 5% au fini. Si vous perdez, ok, vous perdez. Si vous gagnez, vous gagnez au fini. Maintenant, l'offre fin de technicité, parfois vous pouvez sur le marché, ou elle pas intéressant, ou pas parler du tout. Par exemple, si vous voulez acheter un bal à ville ou arriver, vous tendez gagner un problème. Ou juste tourner. Constater au marché, alors vous sur lui, gagner une technicité que vous avez gagné, pour qu'on est-ce que le marché ça l'intéressant aujourd'hui. Maintenant, on a regardé là, qui peut être habitué à l'États-Unis à l'acheter pour le revendre en Haïti, qui plus avantage Internet là, t'as qu'à l'offrir, pour lui, au lieu que c'est lui faire va-et-vient États-Unis, Haïti, ou bien à le marché, placer marchandise, et puis il t'a mis boutique libre, par exemple, online, ça qui peut être qu'à faciliter accès à un maximum de monde. C'est tout à fait différent. Lorsque yon moun ou a l'acheter États-Unis pour venir vivre en Haïti. D'ailleurs, il faut payer un ticket d'avion, il faut venir au côté pour héberger, dans l'hôtel ou sur le panier famille. Et
ou dépenser en pile énergie, en pile temps, et l'élevé ni fois dédouaner, il y a un risque pour produit perdu dans la main, ou un risque pour capable faire déficit sur lui, tout ça. Mais si vous gagnez un hébergement sur l'internet, ou une technicité pour faire, et on nous dit, et publicité pour lui, maintenant, le plus facile pour vendre dans le monde international, parce que en Haïti, nous promouvoir le e-commerce, mais l'objectif là, c'est montrer aux gens comment ils sont capables de vendre dans le monde international. Parce que ce n'est pas un pile monde en Haïti qui achète avec carte de crédit vrai. Et lorsque vous achetez un produit pour venir vendre en Haïti, vous pouvez que charge comme frais de transport, il est extrêmement haut, côté que vous pouvez taxer le produit, il n'y a pas de monde qui peut acheter. Shipping là-haut. Tandis que si c'est sur Internet pour gagner, les gens qui achètent aux États-Unis, les gens qui achètent en France, les gens qui achètent aux États-Unis, le shipping est moins cher. Et si c'est États-Unis, États-Unis, le plus souvent, c'est fait shipping derrière. Donc, le plus avantageux pour un monde qui fait une boutique en ligne pour vendre des produits sur Internet, sur Amazon, sur eBay, sur Alibaba, n'importe quoi, que la fête transport États-Unis à Haïti. Maintenant, oui, il est important parce que ça se fait et il gagne de l'argent avec, nous pas qu'à décourager. Okay. Même si là, un peu le monde a dit Emmanuel Duverson que nous pouvons parler pour e-commerce, il y a des conditions pour qu'on réunisse si pour e-commerce à table et tout le monde. Vrai, je vais parler là. Oui et non. Non, parce que nous avons moins de demandes. C'est-à-dire, moi-même, quand les 4 mois, m'acheter un bagage sur Internet, c'est un besoin. Mais nous gagnons en pile contrainte et vis-à-vis. Et shipping vis-à-vis douane, le ou acheter un produit par exemple pour venir vendre en Haïti, et douane, il faut qu'on paye taxes, et shipping dans l'euro, on se dit ça. Mais normalement, si vous gagnez connaissance là, il ne s'agit pas d'Haïti, c'est international. C'est-à-dire, ou capable de faire e-commerce là, même lorsqu'on n'a jamais de client à Haïti. Et quoi vous avez sous compte en Haïti, c'est ça qu'on a pour moi, c'est le web entrepreneur, non pas limité. Ok. Qui difficulté on a comme une femme qui décide de venir au web entrepreneur gagner dans le pays de Haïti? Il y a un plus gros problème que nous gagnons, même avec l'Afrique, c'est l'accès à l'Internet. Et en pile fois que vous faites un plan sur le téléphone, ou commence à utiliser, ou pas de signal. Par exemple, le monde capture sur Forex, les mandos font une bonne connexion Internet. Parce que vous avez besoin de prendre position, ou pas grand pile temps devant. C'est une minute, 30 secondes qu'on gagne pour décider pour ouvrir une position. Donc, parfois, au fin d'ouvrir, vous avez besoin de fermer, l'Internet n'a pas répondre. Ça, c'est une difficulté que nous rencontrons en pile avec accès à l'Internet en Haïti. Mais également, quand on a des difficultés économiques, tout avec manque d'informations de préférence, en pile fois que nous avons préféré et pas attendre. Par exemple, là, il y a des gens qui doivent attendre, là, ils disent, ouais, c'est intéressant. Mais après, au fin d'année, ils oublient ça. Donc, tout ça, c'est des bagages capables un peu de courage, mais et comme nous connaissons qui s'allier, nous vivons des lits, bon, nous seulement voulons encourager les gens. Si vous voulez apprendre, nous apprendre. Si vous ne voulez pas tout, bon, on a continué. Mais est-ce qu'on peut vivre seulement de ça? Certainement. Faire musique sur Internet et vous abdiquez. Certainement, il y a un pile de monde. Là, c'est Jean Haïti. Il y a un pile de belles machines à garder dans la rue. Là. Et ce forex, c'est fait quoi? Ce n'est pas un secteur qui m'a dit pour obliger à ouvrir le corps. Et à nous dire, au fin de compte, on peut obliger à faire, jamais faire la par les populations, informer les populations de ça. Il y a des gens qui contrôlent, ça m'arrête dans eux-mêmes. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un appui, c'est pour machin de faire le contrôle là. Alors, le trading, c'est faire le commerce. Mm-hmm. C'est un terme anglais, mais c'est comme ça qu'on a utilisé. Trading, mm-hmm. Le trader. Trader, c'est un cambis. C'est un monde qui a changé l'argent sur Internet. C'est un cambis sophistiqué. Le monde, ça, je suis à la caille, je fais activité. Est-ce que je n'ai pas besoin d'inviter pour me faire comme ça? Parce qu'il n'est pas dépendant de pas dépendre de Haïti. Mais nous-mêmes, nous d'accord partager information et certains, il y a des gens qui regardent là, qui a monté sur Internet là, tout ça, nous disons, nous allons vérifier, nous ne pouvons pas mentir dans la plus grande chaîne de télévision pays là, et aller informer nous sur bon, Google, c'est un plus gros moteur de recherche que nous connaissons, ça m'a dit là, aller vérifier, on a pressé ça. Et formation ça auto Serge qui est très coûteux dans le monde international. Mon voisin même Canada, il dit que le besoin aller dans une classe forex c'est $1,000 US pour le gagner. Mm-hmm. Et aux États-Unis tout c'est $1,500 à $2,000 US qu'il coûte. Or dans prix que n'a permet que étudier là, il pas même un quart du cob normal que l'État, il pas il loin un quart.
comme ça, de manière à ce qu'il est capable de permettre que les jeunes aient un bagage dans le maillot. Ils ont un plan B. Mais ça m'a demandé un pile d'efforts parce que nous, pas qu'on ait information, ça, c'est ça qui nous a obligé de faire des tournées médiatiques pour permettre que la jeunesse là, les temps de ça qui existait. Et à force qu'elle tendait, ça vient interpeller lui, ça permet que lui vienne apprendre. Alors, plan B, ça, selon vous, pour bail une certaine autonomie financière. C'est l'objectivité, c'est ça. C'est permettre que chaque grain haïtien qui a gardé nous là, capable de dire oui. Moins autonome économiquement, moins autonome, et on dit au niveau d'emploi, c'est vrai que vous avez un emploi, continuer à le travail, mais ça peut empêcher que vous faites 2 heures de temps, et on nous dit vous faites 1 heure de temps à analyser le marché, ou du moins, on nous dit c'est e-commerce qui est intéressant, vous faites 1 heure de temps à regarder le marché, à qui produit, qui vend pour le moment, qui ça me fait, qui produit qui est intéressant, pour mettre dans la boutique ou faire publicité pour lui, ou quitter le aller, ou aller dans le travail, et puis le vendre, c'est pas qui t'a dans un bureau, c'est pas moi qui oblige chita là pour vendre. Forex là tout lié un peu différent, les mandos focou. Alors gagner ça que les le daily trading, le scalping, côté que mon assez temps en temps pour position elle ferme. OK, le scalping mais comme ça tout gain day trading mon qui doit prendre position là, c'est après 5 heures de temps là le ferme, mais le système là tout permet que automatiquement au ferme pour dire bon commencer là, elle me fait $20 camper pour dire mais si m'a perdu depuis me perdu $5 camper pour moi. Vous voyez qui donc c'est toute technicité ça pour nous gagner. Pour nous, ouais, en fait, comment nous capables de gagner un vrai plan B et qui pas dépend de un patron, qui dépend de connaissance, volonté et disponibilité. Créativité autour. Exactement. Et parce que je dis avant d'aller en Haïti, puis il faut que nous ayons accès à téléphone, surtout jeunes, et nous faisons un peu WhatsApp, nous faisons un peu Facebook, enfin plus Facebook. Mais au fait, selon vous-même, par rapport avec le constat qu'on fait, qui place ou quoi entreprise numérique là aujourd'hui en Haïti? Bien, normalement, le problème, si je tourne sur le même bar, c'est un problème que nous avons parce que nous ne pouvons pas chercher activement. Aux États-Unis, en Chine, en pile monde, depuis un bas âge, ils ont commencé à faire activité ça. Même pour des jeux, ils ont commencé à faire. Ils ont une culture là. Mais nous même pour que nous ne pouvons pas chercher activement, téléphone qui nous amène, c'est vidéo parfois indécent qui nous regarde sur lui, c'est tripotaille. C'est des choses qui ne peuvent pas porter en rien pour nous. Mais l'économie numérique pour elle permettre que, premièrement, nous garantissons une stabilité mentale dans la tête des jeunes haïtiens. Parce que Guillaume Baye qui dit l'espoir à faire vivre. Si toutefois qu'on connaît, Guillaume Baye qui va apprendre du jour au lendemain, il est capable de faire du moins, on nous dit, ou fait 3 mois pour apprendre, après ça, ou café comme beaucoup tout, ou après chercher un job, ça lui permet que. Et nous t'a stabilisé pays a et moi te dis ça dans une autre chaîne de télévision et nous t'a retiré trop focus non sur le gouvernement sur politique oui parce que gagne pile jeune qui est obligé d'en bouler caoutchouc pour le moment là tout simplement parce que pas rien pour faire il y a pile jeune université qui tout temps qu'a fait manifestation c'est parce que ils ont frustré vraiment parce que peut-être pas d'alternative il y a pas d'alternative. Mais comment imaginez-vous que les gens qui compte faire activité ça, yo, qui levait par exemple 1 heure du matin, 2 heures du matin là le travail, vous pensez à 8 heures du matin le temps pour aller faire manifestation? Non. Nous occuper temps, ça permet que la jeunesse lui occupe le temps dans des choses sérieuses, dans des choses qui sont capables de porter un, qui sont capables d'un apport économique. D'où l'entrepreneuriat numérique, il gagne une belle. Et avancer que l'il fait, avancer positif que l'il fait sur le pays. Mm. Si toutefois que nous avons fait promotion. Fait promotion. Je vais regarder en Afrique, il y a une zone que le gouvernement lui demandé pour yo focus sur l'agriculture et l'économie numérique. Mais c'est le gouvernement même qui demandait ça. Agriculture et gouvernement. Et économie numérique. Apprendre mon comment faire l'argent sur Internet. Et nous avons regardé Venezuela là, qui est un meilleur partenaire que nous gagnons. Nous avons une propre crypto-monnaie qui est le pétrole. Pour acheter pétrole là, c'est avec pétrole qui c'est même prix à $60 que vous achetez un baril et pétrole. Nous avons une propre crypto-monnaie qui permet que les sortir dans la crise économique qu'il y a. Et comme ça, nous avons encouragé toute université pour mettre une structure de formation pour jeunes Vénézuéliens apprendre l'économie
l'économie numérique, surtout la crypto-monnaie. Maintenant, si nous venons arriver dans un niveau, c'est objectif là, ça, c'est permettre que, puis devant, dans toute université de l'État, surtout, ou privé, et lycée, nous sommes capables de structure de formation pour que nous avons cellules, que nous avons formé 10 jeunes, 20 jeunes, 100 jeunes, qui levé, qui finit dans l'université avec une autre conception, que c'est vrai que vous finissez pour chercher travail, mais aussi, vous avez fait pour continuer, soit vous n'avez pas de travail, ou du moins, pendant le travail, là, vous avez un plan B, non, mais yo. Qui donc, c'est objectif là, ça, permettre que plus monde informé. Maintenant, dans l'Académie numérique de la nouvelle technologie, nous formons une série de monde, c'est vrai, mais après ça, par exemple, nous avons une série de monde qui sont Saint-Marc et qui viennent dans la formation, qui sont sortis dans la zone sud, tout qui viennent. Maintenant, nous avons une formation, ça, il y a un bagage pour aller informer et former l'autre jeune qui même côté avec lui. Maintenant, si campagne ça fait comme ça, nous avons plus de monde graduellement capable de prendre l'autre activité et capable de permettre que le pays aille pour souffre économiquement. On souffre économiquement. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de une grosse difficulté, c'est question internet là. Internet que nous avons là, par internet à haut débit. Et ça va capable, selon vous, entraver et on monde qui ont business et qui ont entreprise numérique, je dis, et qui j'ai fait quoi que tu as de fait pour nous corriger la situation ça. Bon, oui. Je fais publicité pour aucune compagnie, mais moi utiliser fibre optique dans l'école là, pas trop mauvais, mais c'est pas chaque monde qui a une connexion fibre optique. Ok, l'imande pour yo faire un peu l'amélioration dans le système là, de manière à ce que nous capables de gagner une plus bonne connexion internet. Mais tout ça pas qu'à empêcher notre travail, ça capable diminuer sous possibilité, sous ça nous sommes capables de faire comme bénéfice. Mais on nous dit, il y a des gens qui font option sur Digicel pendant une heure de temps, pendant une journée, ça a l'accès pour le travail. Les gens doivent avoir besoin de faire des choses en plus, ce n'est pas qu'à faire. Mais il y a des gens qui ont une boutique sur Internet, ils ne peuvent pas le chaque jour. Ils prennent temps, ils construisent, et puis ils seulement font publicité pour les Facebook, toujours marche 24 sur 24. Et Google a marché 24 sur 24. Publicité doit passer pour jouer à vendre. C'est pas obligé là. C'est avantage ça que nous gagnons. Maintenant, est-ce que là, vous avez regardé, qui peut-être t'a qu'à appeler là-dedans, comme c'est Saint-Thomas, oui, est-ce que c'est une success story de monde qui, à partir de l'entreprise que vous avez sur net là, qui veut faire l'argent, il faut dire, qui vivre seulement de business ça? Mon cher, moi, je vais parler de monde que je connais. Je vais parler de yon zami là, mais c'est les États-Unis, là, vivre. Mais. Monsieur un peu wow. Alors activité là très élevée. Monsieur lui fait activité e-commerce et surtout sur Amazon. Monsieur lui fait boutique pour monde. C'est lui qui fait boutique à 20 000 $ US. Mais monde ça a très très bien passé. Il fait contrat avec monsieur. C'est pas illégal aux États-Unis. Monsieur dit moi-même, c'est le devenir dans l'école là, venir non. Il remet activité. Monsieur dit non. Dans le mois qu'elle fait 100 000 $ US, il n'a pas fait quoi. Dans e-commerce, non seulement il fait peut-être, mais il a une technicité à monter boutique pour le monde. Il a acheté la bonne. Oui. Et il montre le rapport, toute activité qu'il fait. Par exemple, il y a un monde qui est avec lui, non seulement une page Excel qui est liée avec page Amazon, non, parce qu'on ne compte pas monter sur les love, vérifier tout le bagage qu'on a besoin. Et. Il n'y a pas de menti. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de Vendredi avril. Il y a une équipe qui paye pour faire publicité pour lui. Et l'équipe ça a touché sous commission, de manière à ce qu'il est capable de toujours encourager. Et c'est très bien vivre. Récemment, là, en Haïti, mon ami, qui a travaillé dans le ministère, mais il fait qu'acheter une machine, c'est sous Forex qu'il achète. C'est comme il fait dans Forex. Professeur Forex que nous gagnons actuellement là. Monsieur a très bien passé dans Forex. Vous voyez? Et donc, nous avons conseillé de moi-même parler des Haïtiens. Je n'ai pas besoin d'aller dans Richard Branson, Warren Buffett, pour nous parler de monde. Nous ne connaissons pas. Je parle de monde que nous connaissons, monde qui est en Haïti, monde que nous avons, qui fait succès. Et moi, j'ai un professeur e-commerce là, qui a bon nous coûte maintenant l'école. Là, monsieur a vécu de e-commerce depuis 2011. Tu vas me faire notre travail. Il fait. Boutique sur Internet depuis la c'est tout sur Internet. Il fait boutique pour monde. Et il fait formation. Il y a l'autre action. Il y a plus de 20 possibilités et pour faire l'argent sur Internet. Là. Il y a, par exemple, il y a des bagailles. Quand on parle de un logo, par exemple, on doit créer un logo. Et puis, logo, ça, on va remettre le vendre. Au cas où il y a un domaine qui est intéressant, par exemple, c'est tnh.ht.
si yon moun li fè TNH.com, TNH a bezwen achè TNH.com lan. Lè sa, se yon moun getan chè domen sa, ou héberge l'on kote, se nan moun TNH pa l'achète, lè se sa passe plusieurs kote. Mm-hmm. Et m'ap rappele mi yon histoire ge, genyen RFI.fr, gen yon moun ki fè RFI.com, li vann domen nan bien cher, el pat mèm vle vann li. C'est-à-dire, toute activité ça yo, ou fè yo, et yo bon l'ajan, gen application mobile ki nou anseye actuellement nan akademi an tout, kote ke ou kapab gen yon application ko fè, ki fè yon bagay ki enteresan ou jeu, et puis ou vanni sou internet la. Voyez? Alors, mou konen question network marketing yo te très en vogue, à certain moment la Haiti, bon ba ben cité yo, est-ce que c'est même logique là, et entreprise numérique là? Non, c'est complètement différent. Mm-hmm. Là, on parle de l'indépendance, c'est technicité que vous gagnez. Network marketing, c'est une activité que moi intéressé avec un projet, moi elle intéressant, moi elle viable et puis me parle de lui comme ami. Moi entrer là-dedans, qui est capable de payer un bénéfice, je paye un bénéfice, etc. Et c'est une chaîne. OK. Mais le forex, c'est ou même personnellement, regardez, là où fait activité forex Serge. Ou pas gagne téléphone dans mon, c'est-à-dire le moment qu'on parle position, le moment de concentration, ou pas gagne famille, ou pas gagne, c'est si vous fermez mon côté, on a une chambre, ou prend position, ou pas gagne nuisance, pas gagne mon carré, c'est mettre téléphone sur vibration, sur mode d'avion, par exemple, ou fermer le net, c'est-à-dire ou pas gagne nuisance, qui donc, c'est tout à fait différent, c'est ou même personnellement et seulement qu'a fait le e-commerce pour chita pour trier produits pour mettre pour faire dropshipping pour garder pour faire analyse fondamentale produit ça ou dit bon produit ça il est très intéressant mais quantité monde qui mande sur marché là mais valeur monde qui intéressé avec lui mais quantité vous voyez tourner là-dedans il pas son produit les monde acheter les kembe dit bon produit ça intéressant pour me vendre mais ça on pas besoin monde n'avec network marketing surtout sur pas gagne monde on pas faire network marketing parfait là c'est que les jeunes qui intéressés pour voir plus vous gagner plus outillage pour que lancer dans entreprise numérique là qui sont qu'à faire pour passer où bien non capable passer rapidement dans l'académie numérique de la nouvelle technologie. Mm-hmm. C'est tout prénom là, c'est dans Delma 72. Delma 72 c'est en face Delma 101 que lié parce que lui presque petit en ville net. Mm-hmm. C'est Delma 72, oui, c'est Henri numéro 13, c'est après l'église de pasteur Francillon à l'intérieur. Ça veut dire n'a pas entré dans 72 là, il faut y remonter et après ça n'a bien l'académie numérique de la nouvelle technologie. Et le numéro de contact tout c'est le 46 84 93 65 le WhatsApp 46 84 93 65 et gagne on a comme tout c'est 40 30 23 53 40 30 23 53 nous ca relé. Est-ce qu'on a pas de question numéro c'est sur une page Facebook que vous êtes capable de visiter? Oui, nous ca visiter page l'école là tout c'est www.annntechno.com. annntechno.com page Facebook là de pour taper sur de pour taper Académie numérique de la nouvelle technologie ou bien une page là sur Facebook on a bien information on a besoin numéro de contact adresse et gain petit vidéo tout il a montré nous salio qui est vraiment intéressant parce que c'est en laboratoire que nous faisons. Nous allons refermer pour nous faire un petit résumé et trois points qui t'ajoutent à motiver un jeune montant business sur internet trois points rapidement motivation que nous sommes capables de gagner et pour nous faire business sur internet c'est parce que les créer indépendance la caille non les permettre que nous indépendants et liban nous un plan B j'en nous dit là ou pas dépendre de travail ou seulement pas dépendre de soit apprendre à l'université son métier que lié deuxièmement ça et porter un aide économique pour pays pour famille et qui automatiquement rend moins monde frustré parce que Serge si toutefois que on fait comme et si me pas fait comme gars frustré mais si moi montre comment pour faire comme tout frustration a considérablement diminué. OK et enfin nous t'a dit que plus grande motivation que nous gagnons pour nous apprendre à faire web entrepreneur c'est parce que liban nous moyen pour nous vivre pour compte nous tout bon vrai c'est-à-dire c'est l'argent qu'on va pas apprendre faire c'est technique pour faire l'argent c'est gagner de l'argent par vous-même et pour vous-même. Quoi que vous faites, vous n'avez pas prendre la main. En France, par exemple, vous payez taxes normalement. Haïti, vous payez taxes. Mais ce n'est pas la même bagaille. Peut-être que c'est une bonne occasion pour regarder si parlementaire, vous avez plus de travail sur les lois.
qui vous permettent que conditions réunies plus vous ne faites mode bus ça. Oui, l'étape est intéressante d'avoir plus apport parce que loi sur le numérique vraiment pas quoi en vogue en Haïti. Tandis que en France, l'offre en quoi sur Forex ou payer taxes normalement. Mais vous connaissez un peu tout pour que vous ne pas pirater compte chaud, pour ne pas pirater carte de crédit et tout. C'est peut-être une excuse pour des gens qui parlent de faire business sur Internet, je vous dis. Alors, c'est ça, nous avons dit tout à l'heure. En Haïti, nous avons toujours gagné et psychose de peur, ça, que nous pouvons faire business sur Internet. Tandis que aux États-Unis, Canada, France, tout le monde fait. Maintenant, lorsqu'on carte de crédit, et si vous utilisez, vous pouvez mettre sur n'importe page. Mais si nous, par exemple, un broker, avant broker à utiliser 4 ou lui permettre de l'identifier pour connaître ce que 4 là c'est pour ouvrir. Ok? Vous voyez, par exemple, les maps utilisées n'importe 4, vous voyez un chiffre, 4 ou 6 chiffres sous relevé bancaire moins pour mal chercher dans banque physiquement pour scanner le vrai bail pour être sûr que 4 ça c'est pour moi vrai. Il est très sécurisé. C'est pas n'importe monde qui a utilisé 4 monde pour aller faire business sur Forex surtout que me connaît très bien et ou pas capable. J'ai campé. Rappelez le numéro alors pour monde qui les contacte. Oui, c'est le 46 84 93 65 et 40 30 23 53 et le www.anntechno.com. Voilà, merci à plus Emmanuel Diverso, bon succès et puis nous souhaitons en parler encore. Merci Serge et merci à tous les téléspectateurs TNH. À très bientôt. Voilà, invité nous matin, Diverso Emmanuel, vous nous parler de comment on est capable d'utiliser Internet là pour nous faire quoi. Mais c'est lui-même qui est avec nous, on a mis au point. Merci tout le monde, tout à suivre nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.